Qibla. La Qibla est la direction vers laquelle se tournent tous les musulmans lorsqu'ils accomplissent leur prière, c'est-à-dire vers la Kaaba à la Mecque. Le Coran dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Verset 144 de la sourate La Vache. Jérusalem, Beit al-Maqdis, là où se situe la mosquée d'Al-Aqsa, la fameuse mosquée d'Al-Quds à Jérusalem, fut la première qibla de l'islam avant la Kaaba. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait l'habitude de prier en direction de Jérusalem lorsqu'il vivait à la Mecque. Quand il émigra à Médine, Jérusalem resta la direction de la prière durant 16 mois. Il désirait ardemment prier en direction de la Kaaba à la Mecque. Aussi, il implora Allah de changer la direction de la Qibla. Allah qu'il soit glorifié, exauça sa prière. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Certes, nous te voyons tourner ton visage en tous sens dans le ciel. Nous t'orientons donc vers une direction qui te satisfait. Verset 144 de la sourate La Vache. Les prières ne sont valides que si elles sont accomplies en direction de la Qibla. Ceci est un symbole de l'unité des musulmans. Néanmoins, si quelqu'un ne connaît pas la direction de la Qibla, il doit demander. S'il n'y a personne aux alentours, alors il fait de son mieux pour déterminer la bonne direction, puis il prie. S'il réalise, après avoir terminé sa prière, qu'il était dans la mauvaise direction, il ne doit pas recommencer sa prière. Cependant, s'il réalise cela durant sa prière, alors il peut se tourner vers la Qibla sans interrompre sa prière.